Les briques et les blocs de béton. Les briques. Les murs de maçonnerie peuvent être construits avec des briques ou avec des blocs de béton. Le meilleur choix est la brique en terre cuite massive. On peut aussi utiliser des briques avec des perforations verticales à condition que leur surface soit inférieure aux 50% de la surface totale. Il ne faut jamais utiliser des briques à perforation horizontale. La largeur minimale des briques doit être de 15 cm. Une brique convenable doit être de forme régulière, de couleur uniforme, sans déformation, sans fissure ni craquelure. Pour garantir le bon fonctionnement d'une brique, on peut faire les tests suivants. Rayez la brique avec un couteau. Si elle est de bonne qualité, elle ne se marque pas facilement. Le test des trois points. Faire monter une personne sur une brique appuyée en ses extrémités sur deux autres briques. Si la brique se rompt, elle est de mauvaise qualité. En tapant deux briques l'une contre l'autre, on doit entendre un petit bruit métallique. Les blocs de béton. Un bloc de seulement deux trous n'est pas assez résistant pour supporter un mur en cas de séisme. La meilleure option est le bloc à trois ou quatre trous. La surface totale des trous ne doit jamais dépasser le 50% de la surface totale. La largeur des blocs détermine la résistance du mur. Leur largeur doit être au minimum de 15 à 20 cm. Pour contrôler qu'un lot de blocs de béton est de bonne qualité, on peut faire le test suivant. Laissez tomber 5 blocs d'une hauteur d'1,50 m sur une surface dure, en béton par exemple. Si un seul bloc sur les 5 se rompt, le lot de blocs est acceptable. Si deux blocs ou plus se rompent, tout le lot est déconseillé pour la construction. Les blocs doivent être curés puis stockés sous une bâche ou à l'ombre. Il ne faut jamais acheter ou utiliser des blocs avant la fin du processus de curage. Si on les expose trop au soleil, les blocs sèchent, perdent leur eau par évaporation et ne peuvent pas atteindre la résistance satisfaisante.